J'ai rompu avec mon copain l'année dernière, parce qu'on n'arrêtait pas de s'engueuler, il me reprochait plein de trucs, il était là, ouais, arrête d'utiliser ma brosse à dents pour nettoyer ta cup. Non mais il est maniaque. Et donc on s'est séparés et tout, et pour la première fois de ma vie, j'ai emménagé seule et j'ai réalisé à quel point c'était fantastique d'emménager seule. Genre maintenant je peux masturber dans toutes les pièces. Maintenant je sais à quoi servent les accoudoirs des canapés. Et je sais pourquoi les housses sont lavables. Attention, lavable ne veut pas dire laver. Je pense qu'il y a un seul moment où j'aimerais bien ne pas vivre seule, c'est quand je rentre chez moi le soir après une soirée déglinguée, j'ai beaucoup trop bu, je sais que peut-être je vais être malade, donc je prends le saladier à côté du lit au cas où je vomis. Là, j'aimerais être avec quelqu'un qui me dise « Attention Fanny, c'est pas le saladier, c'est la passoire. » Habiter seule, ça m'a permis aussi de réaliser un truc, c'est que je déteste décorer. Genre, j'aime pas ça. Chez moi, il y a rien. En gros, mon appartement, il est comme moi, il est vide et froid. Et on y rentre comme dans un moulin. Mais c'est vrai, il y a des trucs que je comprends pas en déco. Genre, je comprends pas pourquoi les gens, ils mettent des photos chez eux, de leurs amis, de leur famille et tout. C'est déjà les gens que tu connais le mieux, que tu vois le plus. T'as pas besoin de te rappeler à quoi ils ressemblent. Honnêtement, si on était logique, on mettrait des photos chez nous de gens, on n'est pas sûr de qui c'est. Tu connais de noms vite fait, mais c'est tout, quoi. Genre, Jessica Chastain, ou Jacques Cheminade, ou Rasputin, tiens. Genre, moi, je sais juste qu'il a fait une chanson, quoi. Qu'il a joué dans Anastasia. Mais j'aime pas quand les gens ils viennent chez moi aussi. J'aime pas ça parce que j'ai un côté très première de classe comme ça, très maniaque et tout. Genre, je suis du genre à demander un ticket de TVA à mon dealer. J'adore trier les documents. Putain, les sans-papiers, ça me déprime. Ils ont rien à trier. À part leur trauma. Mais du coup, ce côté un peu première de classe, il se ressent chez moi. Et donc, les gens, ils me dérangent très vite quand ils arrivent dans ma maison et tout. Ils me dérangent déjà avec leurs questions. Ils sont là, ouais, pourquoi ton accoudoir est cassé? Ou genre, ouais, c'est qui dans la photo? Ben, c'est Jessica Chastain. Ah, c'est elle? Et puis, ils veulent tout le temps mettre de la musique et tout. Moi, je suis le genre de connasse qui appelle la police pour tapage nocturne à sa propre fête. J'ai déjà mis des gens dehors parce qu'ils n'utilisaient pas de sous-verre. Bah désolé, mais non, les gars, vous partez. Genre, faites une fête entre vous. Entre gens qui ont des tables gondolées. Puis les gens, 3h du mat, ils sont bourrés, ils ont faim et tout, ils veulent faire des pâtes. Moi, je suis là, les gars, je n'ai plus de passoire. Mais je sais que je pourrais faire... Je pourrais faire comme si ça m'allait bien, je pourrais prendre sur moi, je pourrais me dire ouais, non, mais j'arrive pas à faire semblant, je sais pas mentir, c'est horrible, je sais pas mentir. Et j'ai toujours peur que les gens ils pensent que je mente alors que je mens pas. Genre, situation débile, je suis dans le métro, il y a un contrôleur, je suis pas bien. J'ai un ticket et tout, mais je suis pas bien, il arrive, je commence à transpirer, j'ai tellement d'auréoles, on dirait un ange, ça va pas du tout, je suis pas bien. Et j'ai trop peur que le mec il pense que j'ai un faux ticket. Et donc j'ai trop envie de crier, genre non, c'est pas un faux ticket, ok? Sauf qu'il y a rien de plus suspect. Que ça. C'est comme le premier mec qui a créé l'expression « En tout cas, faut pas pousser mémé dans les orties !» Et sa famille, elle a fait « Bah... Non ?»« Pourquoi ?»« Je sais pas. »« Claude ?»« Où est mémé ?» Non, sérieux, je sais pas mentir et... Donc les jeux style loup-garou et tout, mais quelle angoisse. Quelle angoisse le loup-garou. Genre, alors déjà, loup-garou, il faut jouer avec cet ami. Qui a cet ami? La vraie victoire au loup-garou, c'est d'avoir assez de potes pour y jouer. Parce qu'en vrai, c'est compliqué, je trouve, de rencontrer de nouvelles personnes. Que ce soit en amour, en amitié ou quoi, c'est compliqué. Parce qu'il y a toujours une période où on sait pas trop quoi se dire et tout. Moi, je trouve que quand on rencontre quelqu'un, on devra aller directement à l'essentiel et poser deux questions. Quelles sont tes blessures d'enfance? Les fêlures de ton existence, les varices de ton âme. Et quel genre de porno tu regardes? Parce qu'avec ces deux éléments, tu peux cerner une personne. Et si les deux réponses sont liées,
tu sais que ça va être une relation vraiment compliquée. Quand j'ai... Ceux qui applaudissent, c'est les Lillois. Quand j'ai rompu avec mon mec, j'ai fait ce qu'aurait fait n'importe quelle personne saine d'esprit. Donc j'ai tenté de noyer la tristesse dans du sexe avec des inconnus. Puisque quel meilleur lubrifiant que les larmes. Et j'ai vaguement essayé d'utiliser Tinder, parce que c'est là qu'il y a l'élite. Et j'ai très vite réalisé à quel point j'étais nulle pour ça. Déjà parce que quand je vois quelqu'un qui dans sa bio Tinder met « je recherche du fun », je lui envoie une vidéo d'un de mes sketchs. Une vue est une vue. Après les gens ils font putain 2 millions de vues. Oui, honnêtement 200 000 c'est parce que j'ai souvent envie de baiser. Je vous laisse deviner à quoi correspondent les pouces rouges, mais bref. Surtout j'ai réalisé que j'étais nulle pour Tinder parce que je ne comprends pas les sous-entendus. Je ne comprends pas ça. Moi si un mec me dit à 23h on va chez toi, on joue à FIFA, bah je sors les manettes frère. Puis une demi-heure plus tard, je comprends plus rien à ma vie, j'ai une bite dans la bouche, je suis là, mais tu veux qu'il y équipe ? Poteau rentrant. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup.